Je suis Colette Passage. Nouvellement établie dans le pays, après avoir gagné quelques argent à faire danser l'ours dans les villes et les villages du royaume. Bientôt, Monsieur de Montragu m'a épousée et m'aimait de tout son pouvoir et de toutes ses forces. Et pour être juste, j'avais de quoi plaire, tel que j'étais robuste, la poitrine abondante, le teint encore assez frais bien que allé par le grand air. Ma surprise et ma joie furent grandes d'abord d'être une dame de qualité. Mon cœur, qui n'était pas mauvais, se laissait toucher par les bontés d'un mari d'une si haute condition et d'une si forte corpulence, qui se montrait pour moi le plus obéissant des serviteurs et le plus épris des amants. Mais, au bout de quelques mois, je m'ennuyais de ne plus courir le monde. Au milieu des richesses comblées de soins et d'amour, je ne goûtais pas d'autre plaisir que d'aller trouver le compagnon de ma vie foraine dans la cave où il languissait. Une chaîne au cou, un anneau dans le nez, et de l'embrasser sur les yeux en pleurant. Monsieur de Montragu, me voyant soucieuse, en devenait soucieux lui-même, et sa tristesse ne faisait qu'accroître la mienne. Les prévenances, les politesses dont il m'ont comblé, tournaient mon cœur. Un matin, à son réveil, Monsieur de Montragu ne me retrouva plus à son côté. Il me chercha vainement partout le château. La porte du cabinet des princesses infortunées était ouverte. C'est par là que j'avais passé pour gagner les champs avec mon ours. Jeanne de la Cloche, fille du lieutenant criminel de Compiègne, la deuxième épouse de la Barbe Bleue. À la fête des Guillettes, il lui advint de danser avec moi. Je lui inspirai de l'amour et il me demanda un mariage. Elle m'obtint un continent. J'aimais le vin et en buvais avec excès. Ce goût augmenta tellement qu'un peu de moi, j'eus l'air d'une trône dans une outre. Le pis est que cette outre, devenue enragée, roulait perpétuellement par les salles et les escaliers avec des cris, des jurements, des hoquets et vomissant l'injure et le vin sur tout ce qu'elle rencontrait. Monsieur de Montragu en tombait étourdi de dégoût et d'horreur. Mais tout aussitôt, il rappelait son courage et s'efforçait, avec autant de fermeté que de patience, de me guérir d'un vice si répugnant. Prière, remontrance, supplications, menaces. Il employa tous les moyens. Rien n'y fit. Il me refusait le vin de sa cave. Je m'en procurai de dehors, qui manivrait encore plus abominablement.
suis Gigogne, fille du fermier traîné. J'étais assez belle fille, assez après que je louchais d'un œil et je glouchais d'un pied. Je n'allais qu'en sabot et sentais l'oignon. Après son deuxième mariage, notre Seigneur s'est marié avec moi sans cérémonie. Sitôt que je fus épousée, mordue par une folle ambition, je ne rêvais plus qu'à grandeur nouvelle et nouvelle splendeur. Je ne trouvais pas mes robes de brocart assez riches, mes colliers de perles assez beaux, mes rubis assez gros, mes carrosses assez dorés, mes étangs, mes bois, mes terres assez vastes. La barbe bleue, qui ne s'était jamais sentie d'ambition, gémissait de mon humeur altière, ne sachant dans sa candeur si le tort était de penser glorieusement comme moi ou modestement comme lui. Il était sage, mais chez lui l'amour conjugal l'emportait sur la sagesse. Moi, je ne pensais plus qu'à paraître dans le monde, à me faire recevoir à la cour et à devenir la maîtresse du roi. N'y pouvant parvenir, j'ai séché des dépit et en pris une jeunesse. Je suis Alex de Pontelsin, dépouillé de tous mes biens par un tuteur avide. Je ne songe plus qu'à m'enfermer dans un couvent. Mes amis officieux s'entremirent pour changer ma résolution et me décider à accepter la main de Monsieur de Montrago. Moi, je refusais obstinément de donner une réalité à l'union à laquelle j'avais pourtant consenti. En vain, Monsieur de Montrago me pressait de devenir sa femme. Je résistais aux prières, aux larmes, aux objurgations, me refusais aux caresses les plus légères de mon époux, et courais m'enfermer dans le cabinet des princesses infortunées, où je demeurais seule et farouche des nuits entières. La barbe bleue endurait les souffrances les plus cruelles. Pour les oublier, il chassait avec rage, crevant chiens, chevaux et piqueurs, mais quand il rentrait harassé, fourbu dans son château, il se faisait de me voir pour réveiller à la fois ses forces et ses tourments. Enfin, n'y pouvant tenir, il demanda à Rome l'annulation d'un mariage qui n'était qu'un leurre, et l'obtint selon le droit canon et moyennant un beau présent au Saint-Père. Jeanne de l'Espoise. Nous étions deux sœurs, parfaitement belles, les filles d'une de ses voisines, dame de qualité, et lui en demanda une en mariage. Mais nous n'en voulions pas un, toutes deux. Et ce qui nous dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et que nous savions ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire notre connaissance, me mena avec notre mère et trois ou quatre de nos meilleurs amis et quelques jeunes gens du voisinage à une de ces maisons de campagne où on demeura 8 jours entiers. Enfin, tout alla si bien que j'ai commencé à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. De confus de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la barbe bleue me dit qu'il était obligé de faire un voyage en province, de 6 semaines à moins, pour une affaire de conséquence. Qu'il m'a prié de me bien divertir pendant son absence, que je fisse venir mes bons amis, que je les menace à la campagne si je voulais, que partout je fisse bonne chère,